Allez. Le mont Jean d'Or. Reprenons tranquillement. Sans interruption. Aïe, douteux. Il faut faire attention à eux. Ah, c'est juste à côté de ma tête. Oh, y'a moyen. Oh, y'a moyen. Attends, attends. Oh non, c'est pas le bon. Mais je me suis trompé de touche. Ah non. Dommage. Allez, fuyons. Saleté de serpent. Oh, il m'aime. Putain, mais il est toujours en train de le combattre. Lakshya. Je t'en prie. Tellement mal. Quoi, scorpion? C'est une créature antique, j'espère. Pas du tout, mais oh, redoutable là. Restons prudents. Régénons un petit peu. On va bientôt level up. Méchant. Méchant déjà. Il y en a un autre. Oula. Oh non. Oh.
Ouh, une graine de paprika. Intéressant. Ah, j'hésite. Ah, t'es tout, t'es tout. Fais-moi passer le 32. Aussi. Hey, on va pouvoir reprendre normalement. Déjà où la petite île, le camp, belle vue, c'est pas mal. Comment ça s'appelle l'urgence? Oh là là, c'est la panique. Bon, on est en rond. On est en jaune. Ça va le faire, mais... Ah, pas pour tout de suite. Tom. Ah, créature en vie. Oh, note de T4. Alors que j'enquêtais sur les créatures antiques, je me suis retrouvé dans ces hauteurs où les espèces sont nombreuses. Il ne fait aucun doute qu'elles vivent ici. Est-ce donc le vrai visage de l'île de Seren, à l'abri des regards du monde extérieur? Si je veux rentrer en vie, je n'ai pas d'autre choix que de poursuivre mon enquête et d'élucider le mystère de cette île. Il y retournera une fois un cristal potentiel reçu. Oh,
Ou si on est trop low life et c'est un peu la panique. J'en sors deux. De l'anti-paralysie. Va nous faire écraser. Mais il y en a beaucoup, il y en a trois. Je t'embête, je t'inquiète. Et c'est pour monter. Il y en a quatre. Il va sauter dessus. Hey, oh, mais il prend pas la bouboule. Honteux. Saute. Oh, il y a passage là-bas aussi. Un bouclier de fer. Donc j'ai l'impression que là mène à l'autre. Oh, il y en a beaucoup. Eh, venez. Bon. Ils sont trois. Bon, au moins. ま、まだ生きる。切り裂け。切り裂け。まだまだ生きる。はっ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 
Ah non. C'est peut-être la panique. On commence. Surtout que si j'arrive plus. Mais. Trop de potions utilisées. Mais bon. Là, ça va nous tuer. Ah non. Ok. La mangue. Éloignons-nous de ces cailloux tout de même. Eh, viens là. Ah, petit raccourci. Pourquoi, je ne sais pas. C'est pour ça. Cœur de bête féroce. J'aime quand il y a des esquives. En grotte, encore une. Il y en a qui se font one shot et d'autres non. Oh non, mais des scorpions. Pas les scorpions. Même sont là l'outil, le game. Ah, peut-être mieux de l'esquiver. On peut passer par au-dessus. Je peux pas rentrer dedans. Oh, guide! Ça se trouve, c'est juste une grotte sans passage. Soyons curieux. Oh. C'est ça. Est-ce qu'ils nous poursuivent ?
Il nous poursuit. La fin de tout. Oh oui, une zone. Une cabane. Une cabane. おそらく獣や古代種の目を欺くための工夫だと思われます。Un camouflage optique。小屋自体もどうやら手入れされているようですね。ってことはこんな場所なのに誰かが住んでいるってことか。ええ、可能性は高そうです。Pas de réponse, aucun signe de présence à l'intérieur n'est visible. Étrange, bizarre. Mais oui, oh, le cristal. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire par là? Ou c'est au-dessus? Ouais, il faut aller voir dans la hutte. Oh, il faut y sous. Attends. Il faut y sous. Déjà, laissez-moi faire des choses. Bon, vérifions. Entrons dans la hutte. Oh, c'est bien ce que je pense. Il n'y a personne. Exact. Mais quelqu'un a laissé ça ici. Il y a deux lits. Bon, il a beaucoup de livres alignés, posés les uns sur les autres. Non, on dirait qu'ils ont été récupérés d'épaves. Un roman d'aventure populaire sur la légende d'un chevalier du Moyen-Âge, un guide de préparation du thé noir. Oh, et même ça. Adol, a pas la peine de regarder. On dirait que ces livres très divers ont été rassemblés ici tels quels. C'est du hentai. Ouh, on dirait en corne. Je sais que ça ne se fait pas de lire le journal d'un autre sans permission, mais... Ah, ce sont des récits de souvenirs. Ah, c'est la même écriture que celle de la note trouvée dans la tour de guet où nous étions avant. Ouh, dans ce cas, c'est Sauté qui habite ici. Oui, bah c'est probable. Il semble que ce soit un autre naufragé en dehors des nôtres. Qui a écrit dans ce journal des informations sur les créatures antiques? Oh, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Leur peau est plus dure que tout ce que l'on peut imaginer. Il est impossible de les abattre avec des armes conventionnelles. Cependant, il est possible de les affronter en utilisant... Le papier a été gratté à cet endroit. Je ne peux pas les bien lire. Il y aurait donc un moyen de combattre les créatures antiques. Je suis intéressé. Ah tiens, il y a du hamac. Oui, merci. Merci à la poudre. Oh, ça voudrait dire qu'il n'y a plus une personne qui vit ici.
Ah, il n'y a pas de feu dans la cheminée, mais c'est très bien entretenu. Mais on dirait qu'elle n'a pas été utilisée ces derniers jours. Est-ce que les gens ont quitté cet endroit? Tiens, j'ai décoré avec des fleurs. Oh, c'est vrai. Ces fleurs sont vraiment ravissantes. Elle ne fait donc vraiment aucun doute que quelqu'un habite ici. Mais rien n'indique qu'il va revenir. Que s'est-il passé? Ah, nous n'avons rencontré personne en montant jusqu'ici. Cela veut dire que l'habitant de cette hutte doit se trouver quelque part plus loin. Oh, bien sûr. Donc on continue d'aller plus loin, c'est ça? Il reste un truc à inspecter, non? Ah, je peux cuisiner. Je peux dormir. Ouais, je peux cuisiner, mais... Ah, pour le moment... Gain d'XP? C'est pas mal, là. Barons-nous. Et allons sauver le village contre une attaque imminente. Quoi, la quête, on ne l'a pas. Toi. Oh, c'est un guide de mixion. Oh, c'est assez différent des guides récents. Et donc difficile à déchiffrer. Mais je vais l'utiliser à bon escient. C'est vrai qu'on a le... est-ce qu'on a assez? Adol, à vrai dire, je pensais m'essayer à la pro... On n'a pas encore les objets brillants. Oh, c'est dommage. Et toi? Ah oui, on l'a fait. Oh! Oh, vous avez écrasé les... Agila. Vous en sortez toujours aussi bien, merci beaucoup. Voilà votre récompense. Une potion de puissance. Oh yeah. On avait des graines. Tiens. Une graine de poivron à Rage. Oh, vous m'avez apporté de nouvelles graines de légumes. C'est un peu désorganisé, mais peu importe. Je vais en prendre bien soin. Des poivrons peuvent être cultivés. Ah oui. Donne-moi les aubergines. Ok. T'as le poisson et on avait récupéré aussi un cadeau. Blanc. Tiens. Prends ce poisson. Ah, mais il n'est pas rassasié. On va passer. Mais c'est pour qui? Aperçu. Joli galet. Tom, voilà. Graine de végétal entouré d'une carapace. Est-ce qu'on peut déjà recevoir des cadeaux pour potentiellement d'autres naufragés? Merci. Vous prendre pour le moment. Ah non, mais des graines, c'est pour... Hey, j'ai vu, il y a aussi un gros. Ah, tu ne perdais pas, courage. Gros boobs, toi, tout petit. Ah d'accord, ah, la situation a l'air compliquée. Je n'ai pas très bien compris ce qu'il a dit. Adol, nous ne devrions pas aider à attaquer aussi. Maintenant que le capitaine Barbaros n'est plus là, il faut qu'on se soutienne davantage. Je veux faire de mon mieux également. Non, Little. Tiens, une grosse graine. Adol a offert tête de piaf une grosse graine. C'est œil.
Énorme. Il a l'air trop bon. Énorme. Mmh. Ah, moi manger. Oui. Bon. Bien sûr, bien sûr. Mmh. Mmh, bien. Arigato gozaimasu. Tiens, cadeau pour toi. Moi, être ami. Merci. Pas de problème. Ah, il est même pas au max. Allison, oui. Kuna. Oh, c'est la première fois qu'on va se battre sans Barbaros. Lui qui avait toujours été rassembleur. Mais Doki, ne m'ignore pas. On va les repousser avec mes boules jolies spéciales que j'ai créées. Ah, sinon, tu veux pas le changer? Bon, on fera ce qu'on pourra. Hihi, Adol, aussi plein d'espoir. Toi qui veux pas un galet? Mais ça, de l'arbre aux prières, bah, toujours pas. Mais c'est pour qui le galet de mort? Qui aime les galets? On va voir si on peut pas renforcer d'or. La catapulte. Très bien. Barricade. Oh, le max d'appât possible. C'est très bien. La clôture. Attends. Il y a l'armure aussi. On peut les fabriquer. Toujours pas. Mais commençons. Bon, quand on sera prêt, vous êtes prêts, oui. Ah, c'est ce crustacé géant. J'ai pas encore vu combien il y avait de bagues. Casse les Oh. J'ai pas été touché. J'ai perdu 0 PV. Dommage. Oh, Little Thor. Oh, les singes. Là-bas, tuez-le. Ça
mais Kuina qui met la max hein. Pas de autre. C'est incroyable. Même Reggio. Oh la dernière vague. Ah. Ah ouais, les jeux qui jouent. Incroyable. Le vortex, enfin maîtrise. Il n'y en avait pas d'autre. Non. On rajoute sa tactique, ça marche. On a fait bugger. Oh lui seul. Catherine Kuina à 3ème. Eh ben. Bien ouais. Ah, on n'aura pas le S. Ah, encore un qu'il va falloir qu'on refasse. Dobby qui prend la... Ah, même eux, ils ont fait un. Mais vous êtes nuls. C'est honteux. Le bonus. Ah, le dernier c'est 5, donc ah, beaucoup de gagner en poisson de puissance. Je trouve on a gagné 2, mais on n'a pas envie. Ok, perfecto. On va pouvoir retourner là-bas. Donc il y avait personne qui est tombé. Cachette de corps. Ah, ça le ressort ici. Intéressant. Et maintenant, tout. Ça va vachement plus one shot. Leur 1 de vital ne va pas rester infini.
Relamant. Ah, j'aurais dû ramener des potions. Me refaire des potions. Ah. On va pas mourir. On doit le faire. Attention, on va tester une technique. Non. Je pensais que je pouvais au moins re-sauter après. En vrai, elle est peut-être mieux. Non. Bon, d'accord. J'ai compris. Belle. Content. Content, jeu. Il lui a resté un PV encore. Mais qu'à la moitié du chemin. J'aime bien hein, les bouboules qui sont à l'infini. Je sais pas pourquoi. Elles le sont. Je veux bien comprendre qu'il y a des potentiels éboulements. Un peu extrême. Hein. Encore des antiques. Ah oh oui, non mais en plus, si on doit se faire le scorpion en même temps, ça va être problématique. Ouais. On retourne chez toi tranquillement. Nous a pas trop posé de problème, ça va. Oh, Star. Incroyable, un boss. Ah mais mon arbre qui voulait. Retirons cet arbre. Oh, c'est parfait pour les prières. Oh, c'est sûr en sortant. Une bonne taille ressemble à celui qui... Allez,
On l'apporte au village, on le replantera aussitôt. Adol, tu pourras me donner un coup de main quand tu auras 5 minutes, s'il te plaît. Arbre à prière obtenu. On garde avec nous. Ouf, dans la poche. Voilà. Une potion de vie. Est-ce qu'on mettrait pas directement? Ok, c'est pour ça. Ah ah. Au village. Au risque de le casser. Oui, tu peux me dire planter un arbre? Adol et ses complétons plantèrent l'arbre qu'ils avaient rapporté dans un moment, dans un endroit tranquille. Et c'est alors que... Ça alors, quelle surprise! Ah bon, on dirait que vous avez tous soudainement été appelés. Bon, écoutez-moi bien. Nous vous avons distribué des coquillages. Et chacun d'entre vous va écrire son vœu dessus. Un pas personne. Un vœu? C'est ça. Ah, c'est déjà décidé, rentrer chez nous le plus vite possible. Je ne vois que ça. Eh bien, bien sûr, même pas besoin de l'écrire. Vraiment? Eh, vraiment? Ah, moi, j'ai un vœu encore plus super. Il y a plein de trucs que je vais faire quand on aura quitté cette île. Nishishi. Je ne veux faire que ce que je veux faire dès qu'on sera parti de cette île. Ça va être trop génial. Hein? Si vous le dites, c'est que c'est vrai. Oh, je viens de l'oublier, mais... Nous essayons pas de fuir cette île uniquement pour survivre. Non, notre véritable vœu doit se réaliser avant cela. En fait, les coquillages ont été organisés de différentes façons. Les bleus sont pour le travail, les jaunes pour le commerce, et les roses sont efficaces pour tout ce qui concerne l'amour, d'après ce qu'on m'a dit. Ok, file-moi un jaune. Allez, on commence. Et c'est ainsi que tous les habitants du village des naufragés rédigèrent leurs propres vœux. Si je rentre dans mon village, personne ne pensera à un vœu pareil. L'arbre des prières blancs comme neige a été superbement décoré. Il est pas beau que notre arbre à prière. Ah, tout le monde a le sourire aux lèvres. Oh, j'avoue que j'ai une bonne idée sur ce coup. Attends, merci beaucoup, c'est gentil de dire ça. Et ça, c'est pour te remercier. Alors accepte-le, s'il te plaît. Crade de la viande blanche. Que de la bouffe, hein. Oh, cet arbre me rappelle mon village. Ouais, toi... Vous êtes mes seuls amis. Nous rentrerons chez nous, j'en suis sûr. Adol, merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Yeah. Elle a augmenté ses PV de 100 et nous de 50. On peut lire? Oh, je peux lire notre coquillage. Je fais le vœu de m'en sortir absolument, de rentrer chez moi, puis de transmettre cette aventure à la postérité. Et de continuer l'aventure. Adol. Je fais le vœu que ma famille et le sourire... Ma famille et le sourire aux lèvres pour toujours, ça. Je fais le vœu de forger un jour l'arme suprême qui surpassera celle de mon grand-père, Catherine. Je fais le vœu que tout le monde reçoive la lumière.
bon, je fais le vœu de pouvoir toujours manger et boire comme j'en ai envie. Ça devrait suffire. Doggy. Je fais le vœu de que mon affaire prospère et rien d'autre. Dina. Oh, je fais le vœu de devenir un excellent médecin comme mon maître. Peach. J'ai fait le vœu de à faire. J'ai plein de vœux à faire, mais pour le moment, je veux la paix dans le monde. Quina. Et j'ai fait le vœu de devenir plus fort que mon père et aussi de devenir super célèbre. Rejoins. Il n'y en a pas d'autres ? Il n'y en a que ça. Hein. Oh. La paix dans le monde. Bon, avant ça, faut exterminer ce qu'il y a là-bas. Ah non ! Les poupons. J'ai oublié de faire des poupons. Ah, Donald. À vrai dire, je pensais... Non, mais il a déjà... Non. Tony. Là, on en a pu. Qu'est-ce que ça cause ? Oh, il faut que je soigne les blessés. Je vais utiliser cette... onguant, et je devrais utiliser aussi ces compresses. C'est bon comme ça ? Oui, je pense que ça ira. Docteur Rich, ayez un peu plus confiance en vous. Oh, docteur ? Oh non, je ne suis pas... Oui, j'essaie de... de découvrir des fois au niveau des voix comment sont les personnalités des personnes. Oula, une musique surtout pour Nia. Bon, il y en a pas trop, mais grande pièce vide, des ossements. Imanoa. Kiotsukete kudasai. Chikaku ni kodaishu ga hisonde imasu. Oh non, il est de retour. Un intrus violent, Avalo Dragil. On pourra pas le buter, mais... C'est le même. Ah oui, qu'est-ce qu'on lui fait mal? Oh, gros chiffre! C'est vrai que... Même... Mais bizarre de ça. On revient. Oh non. Ah. Heureusement qu'on avait tout bien réussi avant. C'est ouf, hémorragie. Maurice,
Si j'y arrive. J'ai pas le temps de me relever. On est trop sur un coin. Bien visé dans les yeux. Avec le petit emprunt. Oui. Adol et ses compagnons se présentèrent et lui expliquèrent qu'ils venaient d'en dehors de l'île. なるほどな。血は繋がってないってことか。
リコッタ、いろいろな本で今も言葉を絶賛勉強中だ。漂着物の本で言葉を、ひょっとしてお茶の入れ方も？しかり、本はとても大事。たくさん島の外のこと書いてある。へえ、なかなかの努力家みてえだな。リコッタ、すごいか？おうよ、大したおちびちゃんだぜ。えへん、実は頭割れるくらい頑張った。merci pour l'aide。気にするな。それよりお前たち、父上見たか？ On se posait la question。父上って、おちびちゃんのか？お前さん以外誰にも会ってないぜ。そうか。父上、出かけたまま帰ってこない。Ah, il est parti aller chercher des clubs。1ヶ月くらい前に山へ古代史の様子見に出かけた。でもそれからずっと帰ってない。リコッタ、父上探しに山へ出かけた。でも見つからなかった。そうか、そりゃ心配だな。でもよく一人で古代史だらけの場所を歩けるな。それはこれがあるからな。あ、インフレッシュ。これは先ほど古代史を退散させたテナゲアのようですね。C'est une flèche faite d'un métal mystérieux et puissant. On dirait qu'elle émet de légers reflets de lumière. この金属は古代種、仕留められる。なんだって。確かに見たことのない不思議な金属のようですが、この金属の武器ならば古代種を倒せるということでしょうか。しかり、でもこの矢は最後の一本。作り方は父上しかわからない。ガク、そうなのか。奴らをぶっ飛ばせると思ったんだがな。でも、これは大きな手がかりです。そういえばリコッタちゃん、そこの手帳はお父様のものですか？手帳？確かに父上のだ。ということは、例の T がリコッタちゃんのお父様なのですね。父上の名前、タナトス・ベルダイン。メモにいつも T 書く癖ある。なるほどな、タナトスの T ってわけか。タナトス氏の安否が心配ですね。この島について知識もありそうですし、ぜひお会いしたいところですが、先へ進むには古代種への対策を考える必要がありそうですね。その矢に使われている金属さえ手に入ればな。アドル、なんとかならねえのか？そうだな。Allons chercher ce métal。それにはあまりに手がかりが少ないと思うのですが、一度漂流村へ戻り、カトリーンさんに相談してみてはいかがでしょう。確かに、あの姉さんなら何か知っているかもしれんな。お前たち、どこかへ行くのか？je veux rencontrer ton père. リコッタも連れて行け。お願いだ。手伝えることあるなら手伝う。父上に会いたい。アドル、ここは一つわしからも頼むぜ。なあ。On ne peut pas la laisser là, toute seule. Ça peut être une alliée potentiellement utile. Eh,
当然です。なんといってもリコッタちゃんは私たちの命の恩人ですから。行きましょう、私たちと一緒に。本当か？ああ、ここにおちびちゃん一人を置いていくのも忍びないしな。感謝感激雨あられよろしく頼むぜ。それではみんなで漂流村へ戻るといたしましょう。ぎょい。Ah, Ricotta a rejoint votre groupe. Va falloir lui retrouver une bouille. Ah, une voix avec beaucoup de R qui fait rrrr. Évidemment. Elle est là! Niveau 30. Espèce de Sahad. Art technique. Des pièges, rotation, fouet. Hop, pas d'autre. Est-ce que c'est pour elle le galet? Elle se bat avec des noix de coco quand même. Oh, ça a l'air beaucoup plus rapide que ça. Oh, j'aime. Oh. Eh, retournons au village pour causer à Kathleen. Oh, oh, oh. C'est ici que... Ah. C'est ici que c'est votre village. On dirait que ça te surprend. Ou qu'elle a du mal avec les R. Eh. Ouais, si. Assad, c'est quoi ça là-bas? Oh, ça c'est la tour de guet. Cela nous permet de voir s'il n'y a pas de bateau ou de bête qui approche. Il y a un feu. Et cet endroit, c'est quoi? Ici, c'est l'endroit où nous faisons nos réunions. Nous nous retrouvons ici pour discuter. Je préfère te prévenir maintenant, si tu vas dans des villes du continent, les gens et les bâtiments sont totalement différents d'ici. Une ville, je connais, je l'ai vue dans un livre. Moi, mais moi non plus, je n'ai pas trop eu l'occasion d'aller dans des grandes villes. Oh, les choupis. En l'observant avec Ricotta, elle fut surprise de voir Saad si attentionné. On dirait vraiment un père avec son enfant. Elle semble tellement coulée de source. Ah. Te rappelle-toi et ton pépé. Ah quoi quoi? Maman et mon père, nous étions plus... Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce sourire, niais? Ne perdons plus de temps et dirigeons-nous vers la forge de Catherine. Ouais. Ah tiens, Adol. Ah, tu as l'air troublé. Qu'est-ce qui se passe? Adol montra la flèche de Ricotta et expliqua la situation. Ah, je vois, c'est... Ah, vous savez de quel métal est faite cette flèche? Catherine. Wow. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette flèche? Attendez-vous et observez. Oh,
Ah, c'est... La flèche n'a absolument pas été abîmée. Je repensais aux histoires fantaisistes de mon grand-père. Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Il existe une légende qui parle d'un métal qui se trouverait sur Crick. Il s'agirait d'un métal plus dur qu'un diamant et qui ne rouillerait pas. C'est dire à quel point l'histoire semble invraisemblable. Un tel métal? Il paraît que ce métal a deux propriétés uniques. Il porte la couleur de feu du soleil et sa surface donne l'impression de scintiller. C'est de la vie et c'est de là que vient son nom, le métal écarlate, comme on l'appelle le plus communément. Le métal écarlate? Peu importe que son existence soit fictive ou non, ce métal est recherché sans relâche par les amateurs d'art et les collectionneurs. De nombreuses personnes sont également venues voir ma famille pour demander si nous possédons ce métal. Je n'aurais jamais cru voir ce métal un jour. Oh, du coup, si l'on peut faire une arme avec ce métal... Oui, avec ce métal, il sera sûrement possible de résister aux créatures antiques. Cependant, faut bien évidemment avoir une grande quantité de ce métal écarlate pour pouvoir en faire une arme. Ah, vous autres, vous savez peut-être où l'on peut trouver plus de ce métal? C'est que... Oui, Kanta. Oh, tu sais où ton père a obtenu cette flèche? Ah, désolé, je m'en rappelle plus. Dans ce cas, l'affaire est vite réglée. Je crois que j'ai un flashback du passé de mon rêve. Adol, il y a quelque chose qui ne va pas? Ah, nous pourrions peut-être en trouver dans les vieilles strates. Dans les vieilles strates? Qu'est-ce qui vous fait dire ça, cela? Adol expliqua d'un air confus le rêve qu'il a vu l'autre jour. Oh, tu as vu cela dans ton rêve? Adol, comment dire, ne le prends pas mal, mais tu ne serais pas fatigué? Toujours fatigué, ma belle, toujours. Il faudrait donc fouiller sous terre. C'est vrai que j'ai déjà entendu dire cela. C'est vrai? Soutal, je sais. C'est long et vraiment délicieux. Ricotta, ça ce sont des pommes de terre. C'est pas la même chose. Quand on parle strate sous terre, on parle d'une accumulation de boue, de sable ou de cendres de volcan qui... Pour faire simple, c'est juste du sable et de la terre. On peut trouver des fossiles, n'est-ce pas, c'est ça? Attendez un instant. Avec ce genre d'explication, Ricotta n'apprendra rien. Je sais. Oh. J'ai soiré avec mon père. Je le connais, une grotte avec des fossiles. C'est proche de la montagne où j'habite. Hein? La région que nous n'avons pas encore explorée se trouve au pied du mont Gendarme. La grotte se trouve quelque part au pied de cette montagne, je pense. Si l'on calcule le temps qu'il a fallu à Ricotta pour marcher de la grotte jusqu'au refuge, nous pouvons en déduire que la grotte se trouve dans cette zone-là. Avec un peu de chance, elle se trouvera par ici. Sans parler du rêve d'Adol pour l'instant, il semblerait que le métal écarlate ait de grandes chances de se trouver dans cette grotte. Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Oui, dirigeons-nous vers cette grotte. À vos ordres. Pour forger du métal écarlate, il va falloir un fourneau qui génère de plus hautes températures encore. De plus, selon mon grand-père, il me faudrait également du combustible plus efficace. Je m'occupe de ça de mon côté. Oh d'accord, on compte sur toi. Adol, fais attention à toi. Et les autres. De nouvelles épées. Capables de tout tuer. Oh ouais. Hein? Oh, monsieur Adol.
Je faisais faire le tour du village des naufragés à Ricota pour l'instant. À toi là. Je vais te le montrer à toi aussi, Adol. Ah, salut, mon parrain. Mohoho, ça surprend, hein. Apparemment, il était avec nous depuis un moment. Ouais, je le sais. Ah, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à mon parrain. Ah, quand j'étais plus petite, elle m'a protégé des bêtes et m'a donné à manger. Elle m'a appris à où et comment me nourrir. Ah, surtout, il est resté près de moi. Parrain est le meilleur des parrains. Ah, comment ça, non? Ah, parrain, théologie. Hihi, ah, c'est ce que j'appelle une belle relation. Oh, c'est bien vrai. Parrain, tu s'entends bien avec ton père? Ah, la relation n'est pas mauvaise, mais... Ah, j'ai compris récemment. Apparemment, on pense que les humains et les oiseaux ne devraient pas se mélanger. Ah, c'est pour ça que depuis que le père est là, il est devenu plus distant. Oh, je vois. Ah, mais dans ce cas, pourquoi être venu ici? Il m'aime beaucoup. Vérifier si le quota pas blessé. Quelqu'un de dangereux plaisant. Mais maintenant, ça va. Confiez les quotas à vous. Voilà. Tu peux compter sur nous. Elle reste avec nous. Ah, bien sûr. Ah, nous allons chercher son père, mais nous ne la laisserons pas seule. Bon, tu peux être tranquille. Ah, les amis. Ah, je suis un potliste, mais... Je ne peux pas toujours me reposer sur toi sous prétexte que je suis ta filleule. Je vais devenir plus forte. Ouais. Ah, c'est ça. Je vais le faire de mon mieux. Ouais. Ah, je vais continuer à te protéger. En échange, je compte sur toi pour m'apporter du bon poisson. Je t'aiderai également à protéger le village. Ah, c'est vrai, par là? Ah, tu es gentil. Hihi. Ah, ça commence à devenir intéressant. Bon, on compte sur toi. Ah, Soemil peut désormais participer au contre-attaque. Ouais. C'est trop bien. Surtout qu'on est en affinité 2 avec lui. C'est pas vrai? Ah, toujours lui. Hein. Attends. Création. Créer de l'équipement. Oui. Et elle... Ah, au moins niveau 3. C'est un bâton de Tachi. Elle se tape vraiment avec un fruit. Alors, donc, c'est par ici. Attends, on pouvait pas passer avant. Mais attends, on est... Ah, on est 13. Bon, si on passe par là, normalement ça devrait le faire, non? Ah mais oui, c'est là où il y avait la boue. On n'est toujours pas retourné. Évidemment, c'est Lockshot. Avec eux. Ah, fait des moves. Lui aussi, il avait des chaussures qui étaient trop bien. Oh tiens, on tombe sur ce marécage. Ah oui, ah, d'après la carte, ça devrait être par là. Oui, c'est ça, Ricota. Ah, désolé, je m'en souviens plus très bien. Ouh, il ne reste plus qu'à avancer alors. À tout le monde. Faites bien attention à vous, à poser où vous posez les pieds.
Oh non. Pas eux. Ça, mais pour Ikota, il lui faut aussi un truc technique. Ah, peut-être plus tard. Oh, du poisson. Ah, laisse-moi pêcher tranquillement, s'il te plaît. Bon, il est descendu au moins. Il reste toujours un endroit où il y avait un petit coffre à récupérer, mais il y avait des raptors de mort. C'était quelque peu embêtant. Ah, j'ai oublié de parler à Ricota pour le caillou. Et on les avait tous. Box plus petit, ça marche. J'ai l'impression d'avoir déjà visité cet endroit. Parce qu'on a déjà été là. Bon. On ne peut pas grimper. On a oublié de lui mettre de l'équipement. C'est un peu embêté. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Des PV pour le moment et... Coucou, tu vois, non...
peut lui mettre ça. On a le pont. Il est cassé. Un poisson. Pas de poisson. Le poisson, il est là. Oh tiens, c'est un pont suspendu. Visiblement, soit les bêtes, soit les créatures antiques sont responsables. Le pont est vraiment dans un sale état. C'est le pont qu'a construit mon père. Oh, je vois. Je ne pense pas que l'on puisse aller plus loin sans réparer ce pont. Ah mais tout de même, le père de Ricotta devait vraiment être quelqu'un d'intelligent et de talentueux. À quel genre de personne était-ce? Ah, mon père était un explorateur. Un explorateur? Ah, je vois, un explorateur, c'est ça? Mais c'est quoi un explorateur? C'est comme aventurier, ce que fait Adol. Ah, c'est vrai. Non, aventurier, c'est... y'a que moi. Calme-toi. Ah, c'est vrai, être un explorateur peut avoir de nombreuses significations. Entre ceux qui parcourent... des terres encore inexplorées et ceux qui collectionnent les trésors, ceux qui suivent leurs propres convictions et qui veulent répandre leur bonne parole à travers le monde. Faire simple, ce sont des personnes qui révèlent des défis impossibles. Aventurer a une connotation un peu plus extravagante. Le mot donne la sensation de ne jamais savoir ce qui nous attend de l'autre côté. Je pense que ce mot te décrit parfaitement, Ada. Merci. Oh, bien sûr, dans ce cas, cela veut dire que Thanatos est devenu sur l'île de Seren pour chercher quelque chose. Ah, c'est que... Ah, moi, non. Ah, mon père est élevé jusqu'ici, alors qu'il partait en expédition. Ah, j'ai aidé mon père lorsqu'il s'est évanoui sur la plage. Oh, attends de voir, petite. Cela fait combien de temps que tu es sur cette île? Ah, moi, ça fait depuis le début que je suis ici. Ah, tu as toujours été ici aussi loin que tu t'en souviens? Ah, bien sûr. Avant, j'étais à la Sunumwen ici. Ah, c'est pour cela que j'étais contente de voir que mon père devienne mon père. Je suis heureuse de l'avoir eu maintenant. Ah, Ricotta. Enfin, dans tous les cas, j'espère que tu pourras retrouver rapidement ton père. Oui, contactons le village des naufragés et réparons rapidement ce pont. Heureusement qu'on a deux personnes en plus. Laisse-moi récupérer le poisson là-bas. Est-ce que le parrain il va pouvoir nous aider? Je pense pas. Après, il peut ramener des matériaux. Essayer de déblayer avec ses grandes bâtons. Ouais. Et si je dirige pas le stick aussi, ça aide pas. Ah mais c'est toujours pas. Mais des écailles brillants. Bien sûr que ça va nous servir à quelque chose. C'est pas quoi. Mais. これは見事だな。
Je me rappelle plus s'il y a de la pêche dans le meuf. Encore. Oh, gemme arc-en-ciel, enfin. Le renouveau. Bon, réparons. Le pont suspendu est cassé. On dirait que l'on ne peut pas rejoindre l'autre côté. Appelez de l'aide. Vous avez expliqué les informations à transmettre à Tête de Piaf et demandé de l'aide. Sous l'ordre d'Aaron, au doigt de fée, le travail fut partagé entre tous. Et les réparations du pont suspendu commencèrent. On se lance! Grâce aux efforts de chacun, le pont suspendu a été réparé. Oh! Exactement comme l'original! Ah, je n'en attendais pas moins de toi, Aaron. Bien, dépêchons-nous d'avancer. Un événement a été ajouté. Et là, on tombe. Ah, ah mais qu'y a-t-il là derrière? A-t-on trouvé le métal? Sûrement. Mais on récupérera après une petite pause.